parfum dans une grenade, de la poudre dans une orange, une trousse à maquillage cachée dans une pastèque et de la crème toute droit sortie d'un fruit du dragon. Nos cosmétiques se sont transformés en véritables salades de fruits aujourd'hui. Ma copine fouille la maison. Mais qu'est-ce qu'elle cherche? Des friandises? Un trésor caché? Une recette pour la jeunesse éternelle? Non, elle cherche qu'une crème pour les mains. Super! J'en ai justement une cachée dans ce fruit du dragon. Plie les coins d'un tube de crème pour les mains et fixe-les à l'aide d'une agrafeuse. Coupe une boule de polystyrène en deux. Et colle les moitiés de part et d'autre du tube. Trace les contours du bouchon sur de la feutrine rouge et découpe-la. Enveloppe tout le tube avec de l'aluminium pour qu'il soit plus volumineux. Découpe deux pétales allongés dans du papier mousse rose. On aura aussi besoin d'autres pétales colorés de taille et formes différentes. Colle les pétales sur le tube emballé dans l'alu. Commence par les pétales rouges et roses, puis rajoute les verts et verts clairs de taille plus petite. Colle le cercle de feutrine rouge sur le bouchon. Ma copine n'arrive pas à croire qu'un simple tube de crème pour les mains puisse ressembler à un si joli fruit. Ça change de d'habitude. Je sors la crème du fruit du dragon. Je savais pas que ce fruit exotique renfermait un jus si nourrissant. Ma copine rêve de maquillage. Avoir une poudre compacte pour les visages colorés, pratique et douce, c'est son plus grand rêve. Ah, si seulement mes rêves pouvaient devenir réalité. Mais moi, je sais comment créer cette merveille de mes propres mains. Je dissimule la poudre idéale sous l'oreiller de ma copine pendant qu'elle dort. Froufrou monte la garde. Divise une poudre compacte pour les visages en plusieurs sections. Trace des lignes avec de la colle chaude. Attends que la colle sèche. Recouvre les lignes de peinture acrylique blanche. Peins l'espace entre les lignes en orange. Découpe une bande de feutrine orange. Et colle-la sur les bords du boîtier de poudre. Rajoute une couche de peinture orange. Et trace une ligne blanche détourant le boîtier. C'est le matin! C'est le moment de se réveiller pour les belles au bois dormant. Mais ma copine est plus du genre princesse au petit pois. Oups, je veux dire princesse à l'orange. Quelque chose sous ce coussin l'a empêchée de dormir toute la nuit. Voyons voir ce qu'il y a là-dessous. Une poudre déguisée en orange. C'est exactement celle dont je rêvais. C'est magique! Mes rêves sont devenus réalité. La première chose que je vais faire en me levant, c'est de me maquiller avec. Je vis un rêve éveillé. Roxy veut se faire un maquillage coloré et qui a du peps. Un style pastèque est exactement ce dont elle a besoin. Applique du fard à paupières rouge sur toute ta paupière. Fais une légère transition verte. Et fonds du vert clair sur ton arcade sourcilière. Applique du fard à paupières rouge sur ta ligne de cils inférieure. Mets un peu de fard à l'eau noire sur un pinceau fin. Et peins des pépins de pastèque sur ta paupière. Ajoute un trait d'eyeliner noir. Ton look pastèque est terminé! Les filles font un pique-nique estival. C'est le moment idéal pour leur montrer mon nouveau maquillage. Elles l'adorent! Je suis une vraie fille pastèque. Et j'ai une autre surprise dans mon panier. Une trousse à maquillage en forme de pastèque. Gonfle un ballon. Déchire du papier en petits morceaux. Trempe les papiers dans l'eau et colle-les sur le ballon. Réalise plusieurs couches. Après les deux premières couches, mélange de la colle blanche avec de l'eau en quantités égales. Trempe les papiers dans la solution collante et mets-les sur le ballon. Réalise au total au moins 7 ou 8 couches. Il faut que le ballon soit épais. Vide l'air dans le ballon et sors-le une fois toutes les couches complètement sèches. Mets une bande de Chatterton autour du ballon. Fais une entaille le long de la bande de scotch. Pose une charnière dessus et fais des trous avec une punaise. Ajoute des vis à l'aide d'un tournevis. Accroche des charnières pour que notre trousse à maquillage puisse s'ouvrir. Accroche un fermoir en métal de l'autre côté de la même façon. Roule un papier en bande fine. Et forme une spirale avec en l'entourant autour d'un pinceau. Fixe la tige dans le trou.
et recouvre-le de couches de papier. Colore la pastèque avec des peintures acryliques. Commence par faire des bandes vertes foncées. Puis, fais-en des vertes claires. Fais des bords irréguliers afin que la pastèque ait l'air réaliste. Peins la tige en vert marron. Une fois la peinture sèche, trace les contours d'une moitié de pastèque sur une éponge et sur de la feutrine rouge. Laisse une marge sur la feutrine et fais des franges dedans. Colle-la sur l'éponge. Colle des boucles en feutrine dessus. Insère l'éponge dans une des moitiés de la pastèque et peins l'autre moitié en rouge. Découpe un plus petit disque de polystyrène et colle de la feutrine rouge dessus. Colle un petit miroir dessus et fais une boucle pour un pinceau. Mets le miroir dans l'autre moitié de pastèque. Découpe des pépins de pastèque dans de la feutrine noire et colle-les sur la surface rouge. Remplis la pastèque de maquillage. Seuls les produits de maquillage les plus doux sont cachés dans cette pastèque. On y trouve une véritable récolte de cosmétiques. Du maquillage sorti tout droit du jardin. Et tes lèvres brillent et sentent le fruit. Je vais me faire plaisir avec un bon avocat. Mais j'ai oublié de prendre une assiette. Pendant ce temps, ma copine a déjà pensé à me faire une blague. Elle remplace une moitié de mon avocat par une surprise. Mélange une demi-tasse de farine avec une demi-tasse de sel. Verse de l'eau dedans peu à peu et pétris la pâte. Saupoudre de la farine sur une planche à découper. Et forme une moitié d'avocat avec un trou au milieu avec la pâte. Laisse l'avocat complètement sécher pendant un ou deux jours. Mélange de la peinture blanche avec de la jaune et de la verte. Colore l'intérieur de l'avocat avec. Mélange du vert et du noir pour la peau. Colle une recharge de poudre dans le trou à la place du noyau. Et recouvre la moitié d'avocat factice avec l'autre moitié de vrai avocat. Mon avocat a l'air étrange. Il n'y a pas de noyau à l'intérieur, mais du maquillage. Je vois, c'est ma copine qui l'a fait. De la poudre et de l'avocat, ça ne peut que être bon pour la peau. On va boire notre thé. Et il y a même du citron frais. Il a l'air acide. On va en couper quelques tranches pour mettre dans notre thé. Mais ce citron n'a pas l'air frais du tout. Il est en plastique. Ah, je comprends mieux maintenant. C'est la vengeance de ma copine pour la blague d'avant. Prends un fard à paupières dans une boîte ronde et de la pâte à sel. Colle de la pâte sur le couvercle du fard avec de la colle blanche. Recouvre le côté d'une bande de pâte à sel. Forme une moitié de citron avec. À l'aide d'un outil de modelage, fais des petits trous dans la pâte pour qu'elle ressemble à une peau de citron. Fais une entaille avec un cutter afin que le fard puisse s'ouvrir. Attends que la pâte durcisse et peins-la en jaune. Colle une photo de citron sous le fard. C'est peut-être pas un citron, mais c'est un fard à paupières. Tu peux pas en mettre dans ton thé, mais tu peux te maquiller avec. C'est une véritable boutique de cosmétiques qu'on trouve sur le canal des filles. Elles se vendent de tous leurs achats. Mais Bleuette a quelque chose de mieux. C'est pas du simple maquillage, mais c'est une grenade. Dissous de la colle blanche dans de l'eau. Prends une bouteille de parfum ronde. Déchire du papier en petits morceaux. Trempler dans la mixture et recouvre la bouteille avec. Applique plusieurs couches. Attends que ça sèche complètement. Dessine une queue de grenade sur une bande en carton. Découpe-la, roule-la et colle-la. Pose-la sur le spray de parfum. Mélange des teintes de peinture acrylique adéquates pour la grenade. Et peins toute la surface de la bouteille avec afin qu'elle ressemble à un véritable fruit. Peins le spray et attends que la peinture sèche complètement. On a aussi peint la queue, puis posé sur la bouteille et plié légèrement. Mes copines ne comprennent pas comment mon produit de beauté puisse être un fruit. Il s'agit en réalité d'un parfum. Il ressemble juste à une grenade. Et il sent également super bon. Une odeur fruitée dans une bouteille en forme de fruit. Les simples pinceaux de maquillage et fards à paupières nous intéressent beaucoup moins maintenant. T'as aimé nos idées fruitées ? Alors écris dans tes commentaires quel cosmétique en forme de fruit tu vas réaliser. Et n'oublie pas de lâcher ton like. Abonne-toi à notre chaîne. Et clique sur la cloche pour ne manquer aucune des idées de nouveaux maquillages fruités sur Troom Troom.